メ。気をしっかり、ミオちゃん。こんなところで倒れちゃダメ。確かに暑いっちゃ暑いが、そんなか。ミオは暑いのも暑いものも苦手なんだ。だから言ったのに。ランズは昔からこういうの得意だろ。まあな、鍛え方が違う。正直俺も少ししんどくなってきた。どこか休めるところでもあれば。見てあれ、ミオちゃん、水だよ、オアシスだよ。水、そう、水行こう、ミオちゃん。なんだよ、結構元気じゃねえか。元気になったのなら何よりだが。蜃気楼じゃなきゃいいけど。Ah ouais, c'est niveau 50 ça. Je me suis dit, vu leur taille, il y avait des chances que je puisse pas m'y frotter tout de suite. Ça fait bizarre de revenir sur tes live piles, ce dont j'avais besoin pour décompresser. Bah t'es la bienvenue. Anytime. Si je descends, est-ce que je peux remonter? Ouais, mais je vais me faire... Putain, ils sont vraiment trop bien faits. Je me suis fait aggro, mais je m'en fiche, je suis en train de contempler la bestiole là. Ouais, je pourrais remonter, faudra juste que je fasse gaffe parce que j'ai vu une loupe. Ah bah tiens, c'est ça. C'est un raccourci en fait. Et j'ai vu quelque chose d'encore mieux. Les attaquer comme ça, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Bon, ça va, ils ont pas l'air trop costauds. Par contre, leur animation est totalement chiante. Ça me perturbe. Ouais, si, en fait, ils font un peu mal quand même. Peut-être parce qu'il y en a deux aussi. C'est Mio qui va crever là. Il faut pas qu'elle crève. J'ai réussi ma quête moi aussi, trouver un kiné au mois d'août. Je pensais que ce serait impossible, mais t'as réussi. C'est cool. Ah merde, on a aggro une autre bestiole. Ça commence à être un petit peu le chaos. Mais attends, mais l'autre il est quasiment mort. En fait, on a descendu les deux en même temps parce qu'on les focus pas. Voilà pourquoi je galère. Ça m'a l'air assez mal barré là. On va attendre un peu. Non, c'est bon, le serpent est mort. Est-ce que ça va le faire? Peut-être. Mais non. Purée. Noé avec sa flûte pour aller dresser. Ça se tente. Tertre dénudé. Ok, nouvelle zone. Et c'est là où je comprends pas les raccourcis à débloquer, parce que là, grosso modo, on a ça. Bon, c'est vrai, c'est un petit peu mieux, mais grosso modo, là, on va débloquer un raccourci qui nous permet de monter ou de descendre d'ici à ici. Or, il y a un TP juste à côté, il y en a certainement un autre quelque part par là, ou ici à la limite. Du coup,
coup, je vois vraiment peu l'intérêt de ces espèces d'échelles. Pour le moment, les quêtes, on est bien, hein. Franchement, ça me plaît, là. Elles arrivent au compte-gouttes. Il n'y en a pas trop pour le moment. Ça va peut-être changer, hein. Après, je sais que je suis pas le seul à être un petit peu stupéfait du nombre de quêtes de Xenoblade 1 et 2. Donc ils ont peut-être écouté les fans, je sais pas. Allez, faites-le chuter là. Non. Eh ben non. Des fois quand les ennemis tombent, c'est bien foutu en fait la manière dont ils tombent. Alors on débloque le raccourci et puis ben, on s'arrache vers le point. L'objectif. Pile le temps pour se resservir en eau. Bon, par contre, maintenant je l'ai vu celui-là, je peux pas le laisser. Enfin, c'est sûr que j'en aggro un de. Je sais même pas ce que c'est. J'ai pas vu leur nom. Ah oui, là on a affaire à un gang par contre. Pourquoi c'est moi qui ai pris tous les dégâts hein? Au revoir Noah. Où est-ce qu'il est? Ah mince, il est au-dessus. Je peux peut-être pas l'atteindre en fait. Hein.
Pas par là en tout cas. Je peux pas sauter suffisamment haut. Pour le moment, je vois pas. À mon avis, c'est par là-bas. Et c'est pas pour tout de suite. On va arriver certainement de l'autre côté à un moment donné. Bref, il y en a un autre ici. Ah, c'est loin en fait. 500 mètres. Oh, je l'avais pas vu lui. Pourtant, il est juste à côté de moi. Mais c'est maxi dangereux dans cette zone. Je sais pas si je le tente, sachant que j'ai pas réussi à buter le cheval qui était 15 tout à l'heure. Après, notre niveau de classe a augmenté depuis tout à l'heure. D'un ou deux niveaux. Tant que j'avais pas trouvé de kiné, j'étais trop stressé pour revenir sur tel live, même si IRL je parle peu. Ah ouais, je comprends, y a pas de soucis. Hein. Le hasard a voulu que je réussisse pile le jour de la sortie de Xeno 3. Ben, moi je t'avoue que les lives ça a failli être mal barré pour Xeno 3. Puisque ma connexion internet avait des soucis. Mais, comme j'ai réussi à réparer moi-même, c'est pas joli joli, mais là, il y a genre un câble qui court en plein milieu de l'appart, mais au moins, ça fonctionne. Sinon, je devais attendre jusqu'au 10 qu'ils fassent quelque chose, et je sais même pas ce qu'ils vont faire réellement. Tant qu'ils vont m'énerver, en fait. Ils vont me dire, ouais, alors là, faut tirer un câble, machin truc, mais il y en a pour 200 balles. Enfin, je le vois arriver gros comme une maison, la grosse douille là. Sur les Xenoblade, on a vite fait de passer des heures à rien faire à force de chercher un chemin, de se perdre dans l'exploration. Ouais, c'est pour ça que je veux pas le faire en live. Quand je vois que le chemin il est pas évident, je laisse tomber. Parce que déjà pour vous c'est pas intéressant, ni pour moi d'ailleurs. Et que j'aurai le temps de dévoiler la carte hors live. Enfin, j'aurai le temps. Peut-être. J'essaierai de trouver le temps. Pourquoi j'ai fait ça maintenant? Fallait que j'attende. Bon, pour le moment ça roule, mais ça va être long. Hein. Là, pour ainsi dire, c'est un boss ça. Hein. Après, il a peut-être des trucs cachés sous sa manche. Allez, déséquilibre. Ça, quand ça passe, c'est cool. Je dois le faire shooter, là. Oh non, c'est un échec, ça. Ah, voilà. Ils te font valser le truc comme un verre. Ah, j'avais pas vu sa tronche. Ils ont des têtes d'oiseaux un peu. En plus, c'est vrai, ils ont un peu des plumes. Oh putain, on a pris cher là. Pas bon. En fait, il est passé en mode vénère. Il y a une espèce de flamme sur sa vie, je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas un espèce de mode furie parce que je vais prendre cher. Hein. Et ça a sauté. Oh là, je prends cher. Hein. Oh putain. Ça suit pas en heal en fait. C'est dommage parce que c'était bien parti.
En fait, ils sont tous paqués, c'est ça le problème aussi. À la place de l'autre, finalement il se démerde bien pour lui. En fait je suis obligé de me mettre là pour les heal, je crois, sinon ils en profitent pas. Putain, c'est chaud là, hein. On a encore tous en vie. Non, c'est mal mort. Deux. On y croit, on y croit. C'est la fibre que t'as? Pas vraiment. En fait, il y a une arrivée fibre dans la rue. Mais après, c'est une terminaison coaxiale. C'est une fausse fibre, quoi. Mais ça marche bien en temps normal, hein. Pas sûr qu'il te répare la connexion si tu l'as réparé toi-même au préalable. En fait, je l'ai réparé pas en coupant un morceau de câble, mais grosso modo j'ai des bidules qui viennent séparer le câble en fonction des pièces. Grosso modo, j'ai raccourci le câble pour brancher la box plus près de là où ça marche. Putain. Alors là, j'aurais la haine si j'y arrive pas. Il me reste quasiment rien. Oh non, on va aggro le cheval. Oh putain. Terminez-le par pitié. Yes. C'est chaud, hein. Lors du premier confinement, plus de fibres pendant plus d'un mois. Plus d'un mois et demi. Obligé de passer par la 4G du tel de ma mère. Bah, ils m'ont filé un module 4G, mais ouais, c'est pas ça, hein. C'est bien pour surfer, pour regarder un petit peu YouTube, tout ça. Mais pour stream, c'est un tout petit peu limite parce qu'en fait, il y a des déconnexions. Enfin, je crois que j'avais aggro le gros. C'est pas une bonne idée de rester ici. Il est en train de venir vers nous, hein. Allez, copains, faut se barrer là. C'est bon. Même les morts gagnent de l'XP, ça c'est cool. Ouais. C'est un travail d'équipe. Personne se fait larguer en fait dans le jeu, c'est ça qui est bien. Ça c'est un truc que j'aime pas trop justement dans les jeux de rôle. Quand un personnage meurt, tu vois, il gagne pas d'XP. En fait, il a double pénalité. Déjà, il est mort et en plus, il gagne rien. Ce qui fait qu'au prochain combat, bah, il risque encore de crever parce qu'il a pas eu d'amélioration. En soi, c'est assez absurde qu'il gagne rien. Il a participé au combat après tout.
Et ça, quand t'arrives à le placer sur un ennemi un peu difficile, ça te donne du répit quand même. Et pour ça, il faut être de préférence de même niveau ou au-dessus de l'ennemi. T'as plus de chances de le passer. Puis ça augmente tes dégâts aussi. Alors, ça passe pas? C'est bizarre, j'arrivais pas à le lancer. Grand sup, merveilleux. Et de toute façon, s'il me répare pas ma connexion, je m'en fiche. Parce que... En fait, le boîtier, il est juste au niveau de mon palier. Donc j'achète un câble de 20 mètres et je vais le faire moi-même. Hein. En soi, la connexion, elle marche. Faut juste qu'ils remettent la box au bon endroit. Enfin, que je la remette au bon endroit, mais qu'eux, ils tirent un câble. Donc vraiment, là-dessus, je m'en fiche. Faut juste que je récupère la bonne référence de câble. Pour ça, je demanderai à un ami qui bosse dans le câblage, tout ça. Ça va le faire. Franchement, je m'inquiète pas trop pour ça. C'est plus quand ma mère elle vient en fait. Là, elle peut pas regarder la télé si elle vient. Ah, mais en fait, je suis en combat avec trois serpents. J'ai peut-être été un petit peu gourmand là. Un peu trop, ouais. Un coup comme ça là, il y a tout le monde qui meurt. Hein. Je crois que j'ai personne pour relever là. Non, j'ai personne. Noah, fais pas le con, dégage. Trop tard. Ah, dommage. Bon allez, on va aller vers le point là, de toute façon. J'avais ramassé ce que je voulais. Mais à chaque fois, il y a un truc qui apparaît sur la carte, en fait. Je suis obligé de basculer dessus. Genre un coffre, je vais pas passer à côté, quand même. Ce serait criminel, tout à fait, Kendoza. Bah, disons qu'une fois que je l'ai vu, c'est mort. Je suis obligé d'aller le chercher. J'avais pas vu la veine des terres. Oula, 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 oula. Ah, mais mince. C'est vrai que je suis avec lui, là. La
Même quand je sais qu'il n'y a rien de bien dans le coffre, je me sens obligé de l'ouvrir pareil. En fait, dans ce jeu, il n'y a pas vraiment de trucs indispensables dans les coffres. Je veux dire, il n'y a pas d'armes en fait. T'as des objets comme ça. Peut-être des jetons Nopon là. Donc clairement, tu peux t'en passer. Mais non. Il y a 2-8. C'est bien. Ça fait une belle avance là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de monstres en fait, hein. Je me rends compte, il y en a partout. Bon, on peut les esquiver, hein, mais... C'est vraiment fourni, quoi. Il faut vraiment que j'arrive à monter la précision. Ou alors que je mette un accessoire qui la monte. C'est un peu chiant, mais bon. Ouais, j'avoue que là-bas, j'y suis pas du tout allé. C'est pas grave. Quoique. Il y a peut-être un TP rapide en fait. Je vais juste suivre le mur à mon avis. Il y a un tout autre chemin en fait là-bas. J'ai l'impression que ça mène à une autre zone. Ah ouais, ça doit être la suite en fait. Maintenant je vais aller par là et on verra après. Sur ce point, Tox, je te comprends, moi je suis accro à l'XP, je veux le plus de compétences possible. Alors ouais, mais pas trop non plus en fait, parce qu'après tu deviens complètement abusé par rapport aux monstres, ils sont beaucoup trop simples. T'as la Switch, elle est sur les genoux là. Ça a frisé de ouf. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas fait. Sauvegarde rapide, hein, parce que je sais pas comment elles sont faites les save auto. On va pas prendre de risque. Hein. Et le jeu plante, je suis dans la sauce. だろうが。
行かないのか？僕にはやることがある。今そっちに送る。地図？地形局のな。この辺りは消滅現象がよく起こる。消滅現象ってあの？見ろ。ここだってそうだ。どうせならより安全なルートを進みたい。慎重なんだな。それが役目だ。助かるよ。いや、ouais, ça fait un bien fou. Tu te sens mieux, Mio? Oui, la baignade dans le lac m'a rafraîchi. Tant mieux. Je commence à avoir sérieusement la dalle, moi. Ça creuse de nager. Il doit encore nous rester quelques rations. Prenons le temps de nous reposer un peu et de manger. Mais oui, voyons, la détente avant tout. Ah, ça va. T'étais d'accord quand on a proposé de faire une pause à l'Oasis, il me semble. En effet, j'estimais nécessaire de faire une courte halte pour reprendre des forces et vérifier notre itinéraire. Sérieux, va te baigner, Tayonne. Je crois que t'as le crâne en surchauffe. Hors de question, même si l'endroit est désertique et la vue dégagée, cela ne nous dispense pas de faire preuve de vigilance. C'est vrai, tu as raison. Je te remercie. Grâce à toi, j'ai pu me détendre un peu et reprendre des forces. Depuis que tu as rejoint notre équipe, je sais que je peux toujours compter sur ton appui, Tayonne. C'est vrai, ça. Sans toi, je suis pas sûr qu'on serait encore en un seul morceau. C'est mon rôle. Je suis là pour déterminer et appliquer la meilleure stratégie possible. Dis-moi, Tayonne, tu dois pouvoir nous dire quelle est la meilleure direction à prendre pour sortir de ce désert, alors. Absolument. Le mieux serait de nous diriger vers le sud, par la plaine de Ribi. Je sens que ça va encore faire une trotte. Si on doit encore marcher des plombes dans cette steppe, faudrait peut-être mieux bivouaquer ici pour se reposer, non ? Ouais, et on ferait sans doute bien de remplir aussi nos réserves d'eau par la même occasion. Ce serait certes assez judicieux, toutefois. Il faut des forces pour traverser la steppe, Tayonne. Et tu as besoin de repos toi aussi, comme tout le monde, n'est-ce pas? En plus, moi aussi je commence à avoir sérieusement faim. Bien dit. Manana, entendu mot magique? Riku, Manana, où étiez-vous passé? Parti ramasser, miam miam. Sa coupe, elle me fait délirer. Oasis, très bon endroit pour cueillette. Bien plus délicieux que ration Tristoun. Papilles ont besoin de rêver, il y a des fois. Fait grand plaisir et bon moral. Alors Manana va popoter pour un mi-pont. Tu vas nous cuisiner un truc, ici? Tout à fait bien compris. Manana est un cordon bleu, c'est certain. Mais... délice suprême tout près dans 2 heures. Ami-pont attendent bien sagement sans faire histoire. 2 heures? Tu nous prépares quoi? 12 plats au choix? Comment ça peut prendre autant de temps de balancer 3 légumes dans une marmite et d'allumer le feu? Mais... fausseté complète et totale hérésie. Ami-pont croit miam miam seulement carburant pour biscotto? Manana prépare cuisine de génie extraordinaire. Pas tambouille infâme juste pour remplir bidou sans goût. On peut peut-être t'aider, Manana. Si on s'y met tous, ça devrait aller plus vite. Mais si vous voulez vraiment... Mais si Amipon veut l'aider prépare à pont, Manana veut une chose très très claire. Goûter et privilège réservé à Manana. C'est pas ta nana, c'est ton mec. Alors,
dit pas été. Quoi ? Cuisiner et manger. Ok. Après avoir mangé un repas préparé par Nanana, un point de repos, vous recevrez temporairement plus d'XP. Et de récompense. Ok. Ça file des effets. Avant ça. Bon d'accord. Pas avant ça. Alors, vous avez une liste de plats avec les ingrédients requis à droite. Sélectionnez la Comba soupe à manana. Maintenu, commencez à cuisiner. Ok. On peut pas voir les autres? Pas tout de suite. Prix, un jeton. Ah. Ça coûte quand même des jetons. Ah non, c'est si je mets pas d'ingrédients, je pense. ...5% d'XP, 5 points de classe. 5%. Je sais pas quoi dire, la blague m'a scotché. À ce point-là. Brasier, je peux plus rien avaler. Ça faisait un bail que je m'étais pas régalé comme ça. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, ma nana. Tu t'es vraiment surpassé. C'est incroyable que tu arrives à préparer de tels festins ici, au milieu de nulle part. Manana, ajoute toute rouge. Manana nous accompagnait toujours sur le champ de bataille. Sa cuisine était un vrai réconfort pour tous les soldats. Manger comme ça même quand vous étiez déployé sur le terrain. Un bon repas fait des merveilles pour le moral des troupes, particulièrement sur le front. Cela évite bien des angoisses. J'en reviens pas. Riku, t'es viré. Et Nanana aussi ravie de voyager avec Mio et Amipon. Pendant voyage, toujours nouveaux ingrédients partout. Nouvelles recettes, nouveaux ingrédients, répertoire à Manana toujours plus grand. Au fait, et Riku fait quoi pour Noah et Amipon? Riku offre assistance pointue dans multiples domaines. En gros, Riku peut tout faire. Talents particuliers sont entretien des coupleurs de force et création experte de gemmes. Tu as des qualités incroyables toi aussi. Nous n'aurons plus le soutien logistique de nos colonies. Avoir avec nous un expert en équipement est en effet un atout majeur. Amipon veulent voir quoi Riku sait faire de mieux? Bien sûr, vas-y montre-nous. Là tout de suite. Riku peut pas. Hein? Ça se fait absolument pas ça Riku, cette déception. Mais Riku peut juste pas faire comme ça sur commande. Pour création gemme, faut d'abord rassembler matériaux spéciaux requis. Puisqu'on en parle Riku. Mais... Jusqu'ici nous t'avons confié tout l'entretien de notre équipement. Mais je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que nous apprenions à optimiser et renforcer nos lames nous-mêmes. Ouais, ce serait pas mal. Mais difficile. Je peux pas s'apprendre en 2 secondes. Je dois avouer que si c'est possible, ça m'intéresserait aussi. Pareil. Mais d'accord, Riku consent. Riku va enseigner à Amipon art subtil de créer gemmes, mais seulement parce que Riku a grande âme généreuse. Étape première, trouver matériaux. Riku a remarqué Aspar pendant balade près de source de Laetia, plutôt. Faudra prendre à Aspar Neneuil Furibar. Je crois que j'en ai déjà. Préparer à manger. La cuisine de Manana peut améliorer temporairement les gains d'expérience d'or, collecte d'objets, etc. Mais on l'a fait ça. Je peux aller ici. Bibule repose encore un peu avant de rejoindre Free Popon au Ferronis HS de Colline. Ok. Alors repose-toi, Bibule. Le coiffé, la plus grande qualité de Riku. Sa coupe est géniale.
Alors, faut que je bute des serpents, comme si j'en avais pas assez fumé sur la route. Ça va, la bouffe, ça a l'air de durer assez longtemps. Et le 10. Alors. Ah, tiens, tiens, talent de groupe. Oh, c'est bien ça. Augmente la vitesse de course. On a débloqué un menu, mais ils nous en ont pas encore parlé. Ça ne saurait tarder. I guess. Carte. On ira plus vite comme ça, je pense. Attends, faut que j'aille jusque là-bas? Y a pas des serpents plus près, là? C'est quoi cette arnaque? Ok. Je pensais que je pouvais éclater n'importe quel serpent. En fait, je pense que c'est le cas. C'est juste qu'il nous envoie là où il y en a, mais il y en a partout en fait. J'en tue un en particulier. Œil d'Aspar. Ouais, ça doit pas être les bons ceux-là. Lutte. On va y aller direct. Hein. Tiens, ça doit être lui là. Il a l'air plus gros que les autres. C'est ce monstre qu'on doit éliminer. Il va nous donner du fil à retordre. Super, rien de mieux qu'une bonne séance d'exercice pour digérer. On arrive, mon pote. Ils sont trop bien faits. Les petites branchies là. Il n'y a pas le même nom que les autres, je crois. Sans effet. C'est trop juste. Effectivement, il descend un petit peu plus lentement. Enfin, il prépare une attaque de la mort, j'allais dire. C'est un tuto. Oula, c'est vrai que c'est pas du gâteau. Il nous fait passer un sale quart d'heure. Rien de mieux qu'une séance d'exercice pour digérer, hein. Si on se reprend pas vite fait, c'est lui qui va nous boulotter. Ami pont trop bête. Son 6 et gros monstre juste un. Arrêtez ta touille perso, ami pont réfléchissent et se coordonne. Se coordonne? Ok, entendre ça. Moi je pars ses attaques et tous les autres, vous lui tombez dessus dès que j'ai attiré son attention. C'est ça? Et se précipiter dans sa gueule? Brasier non merci. Vaut bien mieux lui tirer dessus de loin à tour de rôle. Aucune de ces tactiques n'est efficace contre un Aspar, si vous voulez mon avis. Dis quelque chose, Mimi. Nous n'arriverons à rien si chacun de nous se bat comme il l'entend. C'est vrai, nous devons convenir d'une stratégie et tous nous s'y tenir. Donc, système débloqué, enchaînement. Ah, enfin.
Amorcer un enchaînement, c'est une puissante technique spéciale qui permet aux membres du groupe de lancer des arts chacun à leur tour de façon stratégique. Effectuer des combos, des feintes d'arts et des actions de rôle remplies la jauge d'enchaînement, il faudra appuyer sur le plus. C'est juste pour ça qu'il était costaud. Allez, on y est. C'est parti. Alors, ordre d'attaque. Au début d'un enchaînement, trois ordres d'attaque possibles s'affichent. Comparez les bonus de réussite pour chacun d'eux avant de décider lequel vous allez effectuer. D'accord, ça a changé ça. Choisissez d'abord l'ordre. Soumission. Réduit le pourcentage de défense physique de l'ennemi de 30 points pendant l'enchaînement. Augmente de 30% l'hostilité envers les protecteurs et accorde un soutien attaque groupe. C'est bien ça. 60% de chance de percer la défense ennemie pendant l'enchaînement. Ça se passe ça. Sélectionnez les membres du groupe et attaquez en utilisant des arts. Ok. Ok, mais encore. Accomplir l'ordre. Sélectionnez les persos et arts à utiliser, vous gagnez ainsi un nombre variable de points de tactique pour réussir l'enchaînement, accumuler au moins 100%. Ouais, c'est quand même bien différent. Ah, c'est ça les valeurs que j'avais vues. Pour gagner un maximum de points bonus, sélectionnez des personnages avec l'affiliation ou le rôle indiqué sur l'ordre, ou qui en respectent les autres conditions. Si le rôle des persos sélectionnés pour accomplir un ordre remplit certains critères, vous obtiendrez des bonus. Ah, ça fait beaucoup d'infos encore. Premier sang versé. Sélectionnez un combattant pour porter la première attaque. Un enchaînement vous rapportera beaucoup de points. Limite. Attaquer avec un soigneur vous garantit que le total des points de l'enchaînement ne dépassera pas les 99%. D'accord. Terminer un ordre d'attaque avec un protecteur permet de réactiver le personnage qui a obtenu le plus de PT. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par réactiver un personnage? Genre ça le raise? Pas compris. On verra sur le tas. Alors, j'en étais où? Ah oui, d'accord, je peux changer comme ça. Donc là, l'idéal, ce serait de faire ça. C'était pas mal. Ok, ça rigole plus, là. Art d'enchaînement. Si vous remplissez bien l'ordre d'attaque, vous activez un art d'enchaînement, ce qui ajoute à la séquence une puissante attaque pour terminer. Un ordre d'attaque réussi peut permettre à certains de vos personnages de réattaquer. Ouais, tu pouvais faire des enchaînements de dingo malade dans le premier et le deuxième. Alors, l'ordre suivant. J'aime pas le gros doigt qui dit ce qu'il faut faire. Une petite flèche aurait été mieux. C'est vrai. Avec le tuto, c'est vrai que c'est un peu lent. Mais quand on va pouvoir enchaîner, vraiment ça va permettre de faire des trucs de malade. Et de monter jusqu'à 999% de dégâts. Là autant te dire, tu ken n'importe quel mob. Même les super élites là. T'as moyen de faire des super dégâts dessus quoi.
Et bim! Vous avez vu ça? On s'est coordonnés comme des pros et ça a marché? Riku donne 3 étoiles sur 5. Noah et Amipon semblent pas encore avoir développé tout potentiel. Mais avec pratique, Riku sûr qu'Amipon réussiront attaque coordonnée spéciale plus forte, grâce à travail d'équipe. Écoutez-le celui-là, t'es devenu expert en combat, boule de poil? Il n'a pas vraiment tort, en même temps. Cela ne fait que quelques jours que nous voyageons ensemble, après tout. Mieux nous connaîtrons nos techniques de combat respectives, et plus nous serons à même de nous coordonner efficacement. Absolument. En tout cas, on a récupéré le machin que voulait Riku, c'est déjà ça? On rentre à l'Oasis? Oui, Riku va à présent pouvoir enseigner à Mipon Médusé art de création de gemmes. Un œil furibard. On va quand même ramasser le bout d'éther qu'il y a ici. Qu'est-ce qui se passe là? Ma manette elle arrête pas de vibrer. Ah, c'est les nouvelles astuces. Bon, il y a ça, on verra après. Hein. Sous un œil éberlué d'Amipon, Riku va montrer art de créer gemmes. Pour tout dire vrai, en plus de matériaux déjà ramassés, création gemmes a aussi besoin de gemmes brutes pour base. Eh ben, c'est plus compliqué que je le pensais. Mais pas problème, Riku a tout prévu et a gemmes brutes dans réserve. Bien vu Riku, merci. Maintenant, Riku prépare appareil. Bonne nuit, Quill. D'abord, gemme brute va ici. Gemme brute est substrat de base, autre matériau ajouté dedans puis transformé. Permet d'obtenir tout plein effet utile. Au final, amis Pont ont plus qu'à équiper et dire merci Pont. C'est limpide. Si amis Pont ont compris le principe, faut maintenant mettre en pratique. Bah let's go mon gars, créer des gemmes. Ils te donnent deux fois le tuto en fait. Une fois ils te mettent la fenêtre d'explication et ensuite t'es obligé de te retaper le tuto au complet. D'accord, là on voit le niveau des gemmes. Ah, faut des cylindres d'éther. D'accord. Genre là je peux déjà en faire une de niveau 2. Et cette gemme octroie de puissants effets bonus. 20 l'attaque. Là je peux en faire une de niveau 2 comme ça. Ou de niveau 2 comme ça. Celle-ci aussi. 250 points de vie en plus. Pas mal. Ah non, ça c'était niveau 1, pardon. Et ça c'est de l'agilité. Ça, il me laisse pas créer une comme ça. Je suis obligé de faire celle-ci, quoi. Vous avez à présent créé une gemme, vous pouvez quitter ce menu. Ça va être équiper une gemme. Non? Voili voilou, j'aime créer. Eh ben, ça prend des plombes. L'un se croit toujours aussi facile et rapide comme dans Colonie avec atelier tip top. Je crois que nous avons au moins compris le principe. Nous serons peut-être plus efficaces la prochaine fois. Maintenant, Noah équipe création. Tout de suite. Oh, quand même, on n'a pas besoin de ces tutos là. Oh. On s'est équipé un objet tout de même.
Ils nous tiennent un petit peu trop la main quand même pour tout ça. Et voilà. Montre un peu le résultat maintenant. Je veux voir cette puissance en action. Au cas où vous auriez pas remarqué, il fait déjà nuit. Ça pourrait attendre demain? Ah oui, tu as raison. Avec matériaux adaptés, Ami Pompe peut fabriquer gemmes à différents effets. Quand art création gemmes bien maîtrisé, même Gonzalez peut être battu fastoche, comme petit Lapix. Tiens, Gonzalez. Si Amipon trouve autre matériau, Riku aidera encore à créer gemmes. Manana aussi, avec ingrédients adaptés, peut préparer nombreux délices culinaires. Manana a même talent pour préparer menus potables avec ingrédients douteux. C'est bon, pas la peine d'en rajouter, on a compris. Et si nous allions nous coucher? Je crois que nous avons eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Je prends le premier tour de garde. En nous mettant en route avant le lever du soleil, nous devrions pouvoir avancer sans trop souffrir de la chaleur. Bonne idée, oui. Bonne nuit. Ouais, il a la ref Riku pour Gonzalez. Ça va encore être la canicule aujourd'hui. Essayons d'avancer autant que possible avant que la température monte davantage. D'après mes estimations, nous avons traversé la moitié de la steppe jusqu'ici. Courage, Mimi, tu vas y arriver? Oui. Bon, eh ben, c'est parti. Très bien. Plus tôt nous atteindrons la plaine de Ribi, mieux cela vaudra. Je pense qu'il y a un Gonzalez dans les trois Xenoblades. Ouais, c'est sûr, Kendoza. En fait, ça, ce sont des quêtes annexes un peu obligatoires, hein, puisqu'on était obligé de les faire. Il semblerait, en tout cas. Comment ça se fait qu'il y a des ennemis juste à côté du camp, là? Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, bah, la traversée de la steppe, on finira ça demain. On s'arrête là pour ce soir. Pas trop mal avancé, mais beaucoup d'exploration. Évidemment, c'est comme ça que le jeu est fait, quoi qu'il en soit. Je vous dis à demain pour ceux qui seront là, à bientôt pour les autres. Très bonne semaine en perspective à chacun d'entre vous. Allez, ciao, bye bye.